J'ai décidé que je voulais des beignets. Enid est déjà prête à cuisiner. Wednesday a préparé la pâte et grand-mère est toujours prête. Allez, c'est parti. J'ai déjà préparé la pâte. Maintenant, nous allons la mettre dans le moule et préparer de délicieux beignets. Enid, as-tu fait quelque chose, toi? Oui, je dois préparer une super pâte pour les beignets. Nous faisons un tas de farine, cassons un œuf dedans. Maintenant, pétrissons la pâte, formons un beignet rond et mettons-le dans l'huile chaude. Et ensuite, attendons la cuisson. Maintenant, c'est mon tour de faire des beignets. Versez dans l'appareil ma pâte noire, comme mon âme noire. Et les voilà déjà prêts. Il ne reste plus qu'à imaginer un design horrible. Je dois saupoudrer mes beignets de sucre de glace pour qu'ils soient non seulement moelleux, mais aussi sucrés. Il est temps de sortir les beignets de l'huile. Parfait. Maintenant, il faut verser tout cela avec un glaçage sucré coloré et saupoudré de paillettes colorées. Mais ça ne veut pas s'ouvrir. Oh, excusez-moi, mais ils ne sont pas bien dispersés sur le beignet. C'est prêt. Maintenant, tout sur une assiette et nous pouvons le donner à la petite. Waouh, quel délice! Je veux goûter rapidement les beignets de Wednesday. Délicieux! Je veux tout manger. Et qu'avons-nous ici? Qu'est-ce que c'est? Délicieux! Il faut absolument goûter. C'est pas mal. Et ensuite? Oh, de si beaux beignets colorés! Il faut vite les goûter. Waouh, c'est délicieux! Mais j'ai décidé que Wednesday allait gagner. C'était vraiment très bon. Maintenant, je veux des frites. Ok. C'est parti. Grand-mère, passe-moi l'éplucheur, s'il te plaît. D'accord, pas de problème. J'en ai un de toute façon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons vite nous occuper de ces pommes de terre. Grand-mère, peux-tu m'aider à sortir les pommes de terre? S'il te plaît, tire, tire. Merci beaucoup, grand-mère. Maintenant, nous allons couper toutes les pommes de terre en petits morceaux et tout peindre en couleur arc-en-ciel. Parfait. Il est temps de les mettre dans l'huile. Oh, c'est déjà prêt? Je vais les disposer sur une assiette en forme d'arc-en-ciel pour que Kim aime ça. Je suis tellement douée. Grand-mère, comment trouves-tu mes frites? Nice. Tout est excellent, Enid. Mes frites sont déjà prêtes aussi. Essayons maintenant. Ou alors non. Transférons dans un plat et versons du ketchup dessus. Et voilà. Tout est prêt maintenant. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que Wednesday a préparé? Je suis presque prête. Il me reste juste à transférer les frites dans une assiette et les peindre avec la bonne couleur. Les frites horribles sont prêtes. Enid, Enid, que fais-tu, ma chérie? Calme-toi. Donnons plutôt les frites à goûter à Kim. Waouh, tant de variétés de pommes de terre! J'ai vraiment envie d'essayer. Oh, celle-ci? Les frites arc-en-ciel ont l'air tellement mignonnes. Voyons ce que ça donne, le goût. Pas mal. Et ensuite, je m'attendais à mieux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a l'air vraiment bon, mais ça a l'air des frites normales. Bon, j'essaye. Waouh, c'est délicieux! Et ensuite, des frites noires. C'est un peu inhabituel. Voyons ce que ça donne. Beurk, c'est dégoûtant! Mais celles de grand-mère sont délicieuses! Grand-mère a gagné! Grand-mère, ne dors pas! J'ai fini mon dessin! Je veux vraiment des pâtes! Pouvez-vous les faire? Génial! Nous allons mettre les spaghettis dans la casserole pour les faire cuire. Et moi, je vais faire mes propres spaghettis. Oh, j'ai envie d'éternuer. Achou! Oh, tout dans la farine. Excusez-moi, on a fait un tas de farine et on casse deux œufs. Mais avant cela, on peut un peu jouer. Oh, un bon un suffira. On pétrit une délicieuse pâte. Waouh, c'est beau. Maintenant, il faut en faire quelques petits ronds égaux. Et maintenant, le plus intéressant, la coloration. Avec toutes ses couleurs préférées, on fait passer chaque morceau à travers une machine spéciale et mes pâtes arc-en-ciel sont prêtes. Et moi, mes pâtes sont-elles prêtes? Parfait, il faut tout transférer dans l'assiette. Oh, je ne vois rien du tout.
cette vieillesse. Et où est le ketchup? Attends, je vais t'aider. Je dois en ajouter dans les pâtes. S'il te plaît. Oh, trouvé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis couverte de ketchup. Il faut tout essuyer maintenant. Oh, maintenant je vois mieux. On arrose les spaghettis de ketchup et c'est prêt. Bravo, grand-mère! Et toi, Wednesday, qu'as-tu préparé? Mes spaghettis sont prêts. Il faut les transférer dans l'assiette et les peindre en noir. Ah, as-tu vu mon colorant? Oh, tu es toujours là pour moi. Merci beaucoup. Je pense qu'une goutte suffira. Il manque quelque chose aussi ici. Oh, qu'est-ce que tu m'as apporté? Un petit peu de ketchup. Oh, comme c'est effrayant! Mes pâtes sont aussi prêtes. Hourra! Je vais ajouter de mignons petits poulpes faits de saucisses. Et bon appétit! Oh mon Dieu! Ces spaghettis ont l'air très effrayants! Ce sont de vrais doigts? Non, non! Je ne veux pas ça! Je vais plutôt essayer ces spaghettis-ci. Waouh, ça a l'air délicieux! Et qu'avons-nous ici? Waouh, des pâtes en arc-en-ciel! Génial! Il faut les goûter tout de suite! Oh, c'est incroyablement bon! Annie, tu as gagné! Waouh, merci, petite sœur! J'ai presque fini de dessiner! J'ai envie d'un délicieux cacao! Je suis une experte! C'est très facile. Pendant que vous bavardez, je commence déjà à le faire, moi! Je dois mettre du cacao et du lait dans la casserole. Bien mélangé et chauffé. Parfait! Maintenant, on verse dans la tasse que ma petite fille m'a offerte. Grand-mère, tu es top! Et puis, que puis-je faire, moi? Oh oui, je vais faire du cacao avec du chocolat! J'en ai même du coloré et incroyablement délicieux. On met du chocolat dans la casserole et on le fait fondre. Il faut ajouter un peu plus de sucre pour que ce soit bien sucré. Oh, pas trop de sucre, ma chérie. C'est un petit peu. D'accord, grand-mère. Je vais juste en mettre un petit peu. Tu vois, juste une goutte. C'est très bien, ma chérie. Elle ne regarde déjà plus. Elle est légèrement encore plus. Kim, elle adore ça. Minute, j'ai détourné le regard pendant une minute. C'est trop. Oups. Où est-ce que je m'étais arrêtée? Ah oui, j'ai besoin de verser un petit peu de lait maintenant. Cette bouteille est tellement difficile à ouvrir. Allez, ouvre-toi. Non, tout le lait a débordé sur moi. Bon, ça devrait suffire pour le cacao. On verse tout dans la casserole et on mélange. Parfait. C'est délicieux ce glaçage. On décore le verre pour que Kim se régale. On verse le cacao, un peu de crème fouettée et plein de bonbons. C'est parti. Allez, c'est prêt. Alors, comment trouvez-vous ma boisson? Moi, je trouve qu'elle est géniale. Merci, grand-mère. Oh, vous êtes tellement adorable que ça en devient écœurant. Je vais servir le cacao dans un verre crâne. Grand-mère, qu'en pensez-vous? Effrayant, non? Alors, c'est un excellent verre. J'ai besoin de lait, de cacao et d'un peu de sirop. Ah, c'est juste du sirop. Maintenant, on verse tout dans un verre. Parfait. Il doit y avoir une petite touche de crème noire sur le dessus et une délicieuse garniture. Tout est prêt. Oh mon Dieu! Tout est prêt! Oh, ça a l'air tellement intéressant! Je veux commencer par le cacao de Wednesday. Il est aussi rouge que mes cheveux. Et celui-ci, sûrement de grand-mère. Délicieux! Et cette boisson arc-en-ciel est sûrement de Yenit. Waouh! C'est tellement bon! J'ai décidé que le gagnant est... Un choix difficile, mais... Yenit, le sien est le meilleur! Voici le prix! Fontaine de chocolat! Et voici les marqueurs spécieux! Pas de main! Je vois que vous êtes prêtes, les filles! Alors, c'est parti! Oui! Il faut qu'on les surligneur avec ses dents. Oh, ce n'est pas une tâche facile! Oui, ça a marché. Oh oui, je savais qu'il faut juste bien faire des efforts. Oh waouh, les filles ont presque tout dessiné. Il faut se dépêcher. Oh, j'ai le meilleur dessin, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Comme c'est dur. Mais je sais vraiment. Oh non, ça ne marche pas du tout. Il faut que je fasse quelque chose. Oh, j'ai une idée. Je vais essayer de dessiner comme ça. Ouais, je pense que je sais ce qu'il faut faire. Il faut que je fasse ça aussi. Oh, je t'aime.
Monica, c'est tellement drôle. Non mais il n'y a rien de drôle à ça. Oh, je vais vous montrer. Ouais, je sais. Je vais prendre une plume et je vais faire comme ça. Oh non, mon dessin. Oui, bon, moi c'est rien. En fait, c'est pas drôle du tout. Tiens ça. Non, ce sont des baves. Non, pas ça, s'il te plaît. Oh, t'as gâché mon chef-d'œuvre aussi. Et tu vas voir. Alors, Lippy, non, vous n'avez plus de temps. Montrez vos dessins. Oui, bien sûr. Voilà mon dessin. Oui, mais bon... Non, en fait, je pense pas que c'est bien. Ça, c'est encore pire. Monica, ouais, ton dessin est le meilleur. Félicitations avec la victoire. Waouh! Oui, j'adore une fontaine de chocolat. Il est tellement délicieux. Tu penses à la même chose que moi? Ouais. Moi aussi, on veut du chocolat. Oh, c'est super bon, c'est vrai. Oh, quoi, il n'y en a plus. Bon, les filles. Oh, quel joli petit chien. Du caca? Oh, vous êtes prêtes? Alors, on commence. C'est parti. Oui, je pense pas que je veux vraiment dessiner ça. Oh oui, j'arrive vraiment. Alors, je commence. Oh, j'ai une idée. Oui, vraiment, ça pue. Mais cette fois-ci, je vais dessiner avec mes orteils. Oh, non, je peux pas respirer. Alors, je prends un feutre et je commence. Et moi, je vais dessiner avec mes coudes. Ça, c'est plus pratique. J'enlève le bouchon et je commence. Oups. Non, mais mon feutre. Faut que j'en prends un autre. Oh non, comment ça? Oh, allez. Monica a tout dessiné. Les filles, vous n'avez plus le temps. Je veux dire, non, pas très bien. Monica, t'as du talent. Bravo. Oups, je suis où? Oh, le dessin, c'est vrai. Voilà, il est là. Oh, pas mal. Et tiens, c'est le caca pour toi. Oh non. Mais pourquoi est-ce que j'ai vraiment du caca? C'est horrible tout cela. Bon... Il faut que je goûte quand même. Mais c'est délicieux. Oui, non, mais je peux même pas regarder ça. Les filles, c'est super bon. C'est du chocolat. Tu vas te lécher les doigts. Vous voulez un morceau? Tiens. Attendez. D'accord, j'en aurai plus. Et maintenant, vous avez une nouvelle tâche. Dessiner un poisson. Et vous allez le dessiner avec des sas. Oh, en fait, c'est très bon en plus. Alors, les filles, bonne chance. C'est parti. Let's go. Je vais d'abord ouvrir la sauce au fromage. Oui, combien pour la couleur jaune? Et maintenant, rouge, le vert, le blanc. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu peux faire plus attention? Oh, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Alors, je vais enlever tout ça et je vais commencer à dessiner. Je vais commencer par le ketchup. Regardez, quelle couleur riche! Et quelle texture! Oui, juste ce qu'il faut. Je pense que la sauce wasabi est parfaite pour mon poisson. Alors, je commence. Oh, il n'y a pas beaucoup de peinture. Je vais prendre une autre couleur. D'accord, rouge, ça me va aussi. Maintenant, je vais ajouter des détails. Maintenant, cette couleur, et encore. Oh, génial! Oh, j'adore ce poisson. Et moi, je n'ai rien du tout. Oh, je sais quoi faire. Pour accélérer le processus, j'utilise mes 5 doigts. Oh, ça sent si bon. Oh, je vais goûter. Mmh, c'est génial.
Vous savez quoi? Ça ne va pas du tout. C'est très bon. Oh oui, j'adore la sauce au fromage. Et avec le ketchup, c'est encore mieux. Génial. Oh non! Mon dessin est foiré! Le temps est collé. Montrez vos dessins. Cool. Très bien. Ça, c'est mauvais. Je pense que tu comprends. Hey. Pourquoi t'as rien dessiné? Non mais... Alors, tiens, le poisson pourri pour toi. Oh, n'importe quoi. Je déteste l'odeur. C'est horrible. Bon appétit. Are you ready? Et moi, j'ai une idée. Hein? Je vais le faire frire. Oh, je pense qu'il y a trop de feu. Oh, maintenant, c'est mieux. Bon, d'accord. Je vais chauffer le poisson. Épais. Alors, maintenant, j'ai goûté. Oh oui. Ça a l'air vraiment génial. J'adore. Regardez tout cela. Oh, j'adore ce jeton. Alors, je vais dessiner le chaton sur ma tête. C'est parti. Miaou. Oh, j'adore les chatons. Alors, le nez est prêt. Maintenant, je vais ajouter une moustache de chat. Oh! Et les petites oreilles. Oh! Je suis sûre que je vais faire un joli chaton. 5 secondes et tout est prêt. Oh, je vais mettre du eyeliner. Ensuite, je vais dessiner le museau. Ouais, je suis une pro. Quoi? Non, mais regarde! Oh, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais regarde-la! Elle arrive très bien! Si elle est un chat, alors on va lui faire peur avec de l'eau! Quoi? Non, mais arrêtez! Non, mon maquillage s'est foutu! C'est pas juste! Mais c'est très amusant! Oh, j'ai une idée! Lily! T'as un vraiment très mauvais maquillage. Laisse-moi t'aider. C'est par là, c'est par là. Et voilà, c'est fait. Oh, un vrai chaton. Ils sont mes lunettes? Ah, merci beaucoup. Alors, vous n'avez plus de temps. Alors, montrez vos dessins. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut pas que tu regardes ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? T'es une pirate? Quoi? Pirate? Oh, Monica! Quoi? Monica, ouais. Bravo, je pense que t'as gagné. Ce chaton est à toi. Oh, viens me voir, mon petit. Oh non, je crois que j'ai allergique au chat. T'inquiète, Monica, on va s'occuper de lui. Bonjour. Mais que pensez-vous? Amener un serpent? J'ai une peur panique des serpents. Sortez immédiatement de l'hôpital. Dépêchez-vous. Quoi? Ça veut dire que moi non plus, on me laissera pas rentrer avec mes escargots. Salut, Justine. Aujourd'hui, ta soupe préférée pour le déjeuner. À plus. Oh, cette cuisinière m'a donné une super idée pour amener mes chers escargots. Il me suffit juste de me déguiser en cuisinière et de cacher mes chers amis sous une cloche. Comme si c'était le déjeuner des patients. Restez bien ici, mes amis, et soyez sages. Bon, il est temps d'aller me changer. Oh, la tenue me va même super bien. Allez, allons-y. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y. J'en étais où? Oh, vous avez enfin apporté le déjeuner? Un petit moment. Et voici, tu vas goûter à des merveilles, ma chérie. J'ai une bouillie incroyablement délicieuse pour toi. Tu peux t'y attaquer tout de suite. Y aura-t-il quelque chose de plus comestible que juste de la bouillie? Pour vous, j'ai un plat spécial. Que diriez-vous d'escargot? Je rigole. Je ne vous offenserai jamais, mes chéris.
Oh, merci, madame, de m'avoir laissé passer. Oh, qu'est-ce que vous avez un joli bébé! Puis-je jeter un coup d'œil? J'ai un jouet pour lui. Allons jouer avec lui. Vous aimez les mignons? Quoi? Pourquoi votre enfant ressemble-t-il à un petit singe? Oups! C'est totalement interdit chez nous d'amener des animaux! Sortez tout de suite! Je m'excuse, j'ai dû confondre par accident que nous n'étions pas au zoo. Oh mon Dieu! Mais quelle est cette belle patiente qui est arrivée chez nous? Je ne peux pas détourner le regard d'elle. Elle est tellement incroyable que c'est gênant de la fixer. Merci de m'avoir laissé passer devant vous, les gars. Je vous envoie un baiser volant. Prenez-le. Oh, je l'ai reçu. Rentrer à l'hôpital n'a jamais été aussi facile. Oh, sainte grand-mère, quelle est cette déesse qui est descendue dans ma chambre? Étrangement, aujourd'hui, il y a trop d'attention pour moi. Alors j'ai juste décidé d'amener mes petits animaux à l'hôpital pour ne pas me sentir seule pendant mon traitement. Au fait, parlons de mes amis bien-aimés. Les voici! Ce sont mes adorables hamsters! Regardez comme ils sont mignons! Oh, ça ne va pas du tout! Je ne vais pas rester dans la même chambre que cette folle! Pourquoi aurais-je besoin de tes hamsters? Hé, attendez un peu! Vous n'avez pas vu qu'on ne peut pas amener des animaux? Laissez cette souris ici! Comment avez-vous pensé qu'on peut amener ça à l'hôpital? Oh, il n'est pas question que je me sépare de mes adorables cafards! Il faut que je trouve rapidement une solution! Oh, j'ai une idée brillante! Je vais bander ce pot et faire comme si j'avais une bosse sur la tête! Bonjour, je m'appelle Rachel et j'ai une grosse bosse sur la tête! S'il vous plaît, aidez-moi! Je dois aller chez le docteur! Bien sûr, allez-y, c'est par là! Bonjour, ma chère voisine! Bonjour, je m'appelle Rachel! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as une blessure sur la tête? Oh, tu parles de ça? C'est rien du tout! Ce sont juste mes amis, je vais te montrer! Allez, regarde, je te montre. Regarde, ce sont des petits cafards. Des cafards! Ils sont très gentils. Bon, comme tu as ta main blessée, je vais te les mettre ici. Voilà. S'il te plaît, arrête ça! Une minute, s'il vous plaît. Jamais avec des animaux chez nous. Mon petit chou, ne sois pas offensé, c'est juste un homme très méchant. Hé, pop-up, attendez! Je n'ai pas d'animaux, vous voyez pas, j'ai juste la main cassée! Ok, allez-y. Ma petite souris, je ne peux pas te laisser ici! Oh, j'ai une super idée! Je peux te faire passer par les conduits de ventilation! Tu pourras te faufiler à travers les tuyaux et finir par arriver jusqu'à moi! Allez, viens! Bonjour, j'ai un rendez-vous! Et vous avez mué où, votre souris? Montrez-moi votre sac! Voilà, s'il vous plaît. Bon, allez-y alors. Hourra, j'y suis arrivée. Bonjour, s'il vous plaît, ne dites rien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ma petite souris, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, c'est un fromage que tu adores. Allez, viens ici, mon petit chou. Oh, très bien, tu m'as trouvée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les souris. S'il vous plaît, enlève-la tout de suite! Oh, ma chérie, ne l'écoute pas! Elle n'est pas gentille du tout! Tu es très mignonne! Bonjour! Ne me dites pas que vous pensez faire passer cet animal à l'hôpital, c'est interdit! Donnez-moi cet horrible rongeur et allez voir le médecin dans le couloir! Lui sera dans une cage et vous, vous irez chez le médecin! Quoi? Comment ça? On ne peut pas amener des poissons? Mais comment est-ce possible? Je vais devoir le laisser quelque part! Ah, j'ai une idée! Je vais vous transférer dans des perfusions! Comme ça, ça vous aidera à passer inaperçu! C'est prêt! Maintenant, on peut y aller! Allez, c'est parti! Waouh, j'entends mon rythme cardiaque! Et si je souffle? Oh, c'était fort! Bonjour, vous avez une perfusion? Allez, oui, passez, passez! Oh, super, j'y suis arrivée! Cool. Grand-mère, je suis venue te rendre visite! Oh, comme je suis contente de te voir. Regarde, je t'ai tricoté un pull. Oh, comme c'est gentil, tu m'as fait un pull, mais c'est pas vraiment mon style, en fait. Et qu'est-ce que tu as, là, une perfusion? Attends, je te montre tout de suite. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans.
J'ai réussi à prendre mes poissons avec moi. Dory et Lori. Oh, comme je suis contente de les voir. Oh, comme j'ai mal à la gorge. Il faut de l'eau. Oh, comme c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un poisson dans mon verre. Bonjour. Une minute, s'il vous plaît. Vous avez pas vu le signe? Pas d'animaux. Au revoir, mon petit ami. Je reviens tout de suite. Oh, man! On ne peut pas prendre des animaux? Mais où est-ce que je vais mettre mon chat? Ah, j'ai une idée! Dans cette situation, je vais le mettre en dessous de mon pull. Comme si j'étais enceinte. Bonjour. Quoi? Attendez, je dois écouter le cœur de votre bébé, permettez-moi. Je pense que vous êtes en stade final. Vous allez bientôt accoucher, c'est ça? Oh, j'entends ronronner. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un chat! Je le savais. Il ne faut pas me tromper, pas d'animaux. Oh, je suis encore en train de rêver que je suis au travail. Et hop! Pas de rongeurs, vous avez pas vu le signe? Rendez-le, mademoiselle. Ah non, je ne donnerai pas mon iguane, c'est hors de question. Il faut penser à un truc. Ah, j'ai trouvé! Je vais mettre mon ami vert sous un foulard. Et je vais le cacher, personne ne remarquera rien. Oh, comme j'ai vraiment mal à la gorge. Et où allez-vous comme ça? Vous pensez vraiment que je vais être dupe de cette farce? Je savais que vous aviez un animal sous votre écharpe. Pas d'animaux ici, donnez-moi ça tout de suite. Vous le reprendrez en sortant. Vous êtes vraiment complètement fou avec vos animaux.